Peggy 16. Salut tout le monde, c'est Blagard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici aujourd'hui sur Arma 3 pour la campagne Milicias The Body, deuxième saison et douzième mission intitulée Réconciliation. Donc voici un peu le synopsis de cette mission. Donc le ministre des Affaires étrangères de Tchernarus, qui était membre du gouvernement provisoire, qui était capturé par nos soins lors de la première mission de cette saison, a été libéré il y a quelques jours. Il a été déposé dans la partie sous le contrôle du CDF. Et bien tout simplement, il y a une porte qui s'ouvre vers nous pour nous réconcilier avec la CDF grâce au ministre des Affaires étrangères. Donc le ministre des Affaires étrangères propose d'intercéder en notre faveur, et en faveur de l'OTAN évidemment. Mais il va falloir qu'on prouve notre bonne volonté pour notamment prouver notre allégeance, on va dire, à l'armée de Tchernarus, donc de la CDF. Et pour ça, il va falloir qu'on récupère du matériel et des prisonniers qui se trouvent dans la partie pro-russe, dans une forêt quelque part au nord du village de Mishkino. Ce serait un camp qui contiendrait notamment des BM-21 qui ont été un peu paumés quelque part dans la forêt. Et c'est un camp plus ou moins illégal puisqu'il n'a pas été dénoncé à l'ONU. Donc notre objectif va être simple, on va être parachuté quelque part près de Mishkino. On va faire notre route dans la forêt pour essayer de trouver le campement. Il va falloir qu'on neutralise les forces hostiles, récupérer les officiers, récupérer le matériel, et ensuite on devra se diriger vers le château du diable, donc du côté CDF. Mais pour ça il va falloir qu'on traverse la zone démilitarisée contrôlée par l'ONU, et ça va pas être une mince affaire. Donc là je vous laisse avec le parachutage et l'attaque du camp, et je vous retrouve juste après. Préparez-vous à sauter. Ah, ok. Go, go, go. Go, ok. Allez, go, on saute. Allez, c'est parti, sautez. Vas-y, rap. Ok. Je crois que tout le monde est dehors. Merci pour la balade. Je sais pas pourquoi j'ai ça là. Bah j'ai un parachute manœuvrable. C'est sur l'additionnel, Karadoc. Là, Zidrou, vous me ferez un statut de vos mecs quand on est au sol, parce que là, je vois des mecs qui partent dans les arbres, j'ai peur qu'on commence à en perdre quelques-uns. Bien pris.
Ok, pas mal. J'ai entendu un coup de feu par contre. Ouais. Il y a un incident de tir, non? Ouais. Ok, bleu, on va être Lui qui a le complet. parachute droit qui arrive en dernier. Oui, parce qu'il tombe pas tout droit, il avance. Donc, Par contre, je crois que j'ai que ce qui est à terre là-bas, j'ai un point vert qui bouge pas, j'allais voir. C'est lui qui a sauté sans parachute. Il y en a un qui a fait éjection. Yes? Ça va, il est intact. Ça va, t'es entier? Ouais. C'est t'en parfait. Sur la radio ou quoi? Non. Allo, allo. 105.3. Ah, 105.3. Ouais. Bonjour. Ouais, ok, c'est bon. On se regroupe avec les autres. C'est dur balle. Tout le monde est ok, ouais? Ouais, bleu, j'ai tout le monde. Yes, no, tu t'es soigné? C'est moi ou un atterrissant, on a pris une balle. Pas joué. Il y en a peut-être un incident de tir à l'atterrissage, je sais pas. L'atterrisseur bouge pas. Didro, t'as tout le monde? Affirmatif. Ok. Que... On va bouger, on va aller. On va continuer plein nord par rapport à notre position, puis on va commencer à s'enfoncer dans la forêt de. Westminster. De Michkino. Donc on va ouais, j'ai perdu ma map, partir du point là que j'ai mis sur la carte. On fera une ligne et puis on avancera tout droit plein nord. Ok. Un échec de la connexion au positionnement. Okay. Parce que t'as pas de carte. T'as perdu ta carte. Comment ça se fait? Bah. Ça m'est déjà arrivé. Dans mon inventaire j'ai plus de carte mais je peux toujours l'ouvrir. C'est pas longtemps. Nad. Pareil, ça m'est arrivé de la perdre en pleine. Pareil. Tu passeras en tête. Zidro, tu suivras. Ouais. J'ai plein nord ou je suis en forêt ou dans la plaine? Attends, on a atterri où exactement? 1285. On est atterri par là. Là, par là. Ouais, non, pas chez moi. On est là. Donc ouais, tu pars plein nord et longe la forêt là juste ici. Ok, bien pris. Caradoc, t'es quoi toi? Parateur. La marche, je suis de l'âtre en dernière position, tu dois vous émerder. Par contre, j'ai un sale orage chez moi, si jamais plein nord. C'est pas ma faute. Hein. Passe devant en tête de colonne, tu prends dans je la te forêt, suis, ensuite balle, le médecin et puis des snows, tu fermes. Zidro, tu peux enlever ta strobe. Okay. Parce que l'ONU, ils ont des JVN, hein, faut faire gaffe. Ouais, l'ONU, là, ils se plateront pas trop, je pense. Ouais, non, là, on est en zone pro-russe, mais bon. Bien, il y a ton groupe qui se casse en fait, sans toi. Putain, je sais plus pourquoi j'ai cru que j'étais rouge, moi j'ai tellement mais c'est un délit. Non, j'ai de la lumière, les gars, j'ai de la lumière sur qui le putain sur. On arrive dessus, on doit être à 200 mètres. La carte, on a des flammes 200 mètres, enfin de la lumière en tout cas 200 mètres devant nous, plein sud. Je suis approché prudemment. Je vois la fumée, c'est bon. De véhicule droit devant à 50 mètres, même pas. Je suis dessus.
Bon, ils sont en approche sud-ouest, patrouille de au moins 4 hommes. Négatif, 8. Planquez-vous, planquez-vous. Ils sont azimut 210 grosso modo. Azimut 210. Sud-est. On va dire que je suis bien touché. On a bien. Un homme à terre là derrière moi. On en a deux ici. Il est au sol. La carte au on sol. En a un juste derrière toi. Ok, attendez avant de les soigner. Regarde déjà. Oui, il est mort. Contact traité. Un traité. Je regarde le deuxième s'il est vivant. Non, on a la carte au sol donc c'est priorité Territor. Les où, morts. Où, russes, je m'en occupe. On je m'en occupe. Je m'en occupe. Mouvement au sud. Ça court dans les trucs au sud. Il y a nombreuses tentes. Ça s'approche de nous, plusieurs hommes, par contact. Oh. Tu vois sud, plein sud. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de camp au sud. Ils sont à en train de m'occuper de lui. Hein. Je pense aussi là. La carte, il en a besoin. Hein. Je diagnostique. Ah bon, on a même une ambulance qui arrive. Il a perdu du sang, il a pas besoin d'injection. De... La carte bah, est je lui balance une épinéphrine. C'est pas de la morphine avant, sinon. Les rouges, tout le monde est ok? Allô? Yesno, mets-toi. Ouais, je t'entends que oui, Cus, la carte, c'était dans le coma. Apparemment, il y a une espèce de camp au sud. Ouais, on l'a vu. Arabe, tu fais quoi? Tu dors? Véhicule. Éco-véhicule, éco-véhicule. J'en ai couvert derrière les arbres. J'ai un éco-véhicule, la carte. C'est bien, on l'entend aussi. Ça, ça va pas. Ah non, j'ai l'impression que c'est le véhicule là qui a bugué en fait. Mais y'a pas d'éco-véhicule. Aïe, y'a encore un contact. On va viser qu'on a tout un campement au sud-sud-ouest et plusieurs contacts. Quand on engage à longue et moyenne distance, on va éviter de se faire shooter comme des débiles. Bruit de parachute, c'est rien, c'est Rap qui est bugué. Rap? Il est pas là, Rap, laisse tomber. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Il y a quoi comme bug? Attention, plusieurs contacts en mouvement dans le camp. On va commencer à avancer petit à petit, rouge devant. Non, bleu devant. Flair sur le camp. Logique. Bah bleu vous avancez petit à petit, rouge vous couvrez, rouge vous arrêtez et puis on progresse ainsi de suite. Ok, on va couvrir la progression de bleu. Prenez des couverts, on leur laisse un peu d'espace. Blaco, carré-toi. Prends un couvert Blaco. Servez-vous des arbres pour vous couvrir, hein. Si vous restez en open field vous êtes mort. Vous avancez, essayez d'avancer arbre par arbre, de couvrir en couvert. Ok, rouge, on avance un petit peu. Avancer d'une dizaine de mètres. Donc, quasi tout point pris. Bleu sur l'IAVC qui a deux personnes dans le bunker à votre droite. C'est bien pris.
Là, tu diras à ton réparateur ou je sais pas quoi qui était quand même vachement loin de vous, ça serait bien de rester groupé. Ok, progression jusqu'aux prochains arbres, en avant. Je pense qu'on peut progresser. On progresse. On a un rouge qui s'est pris un RPG sur la tête. J'ai un véhicule dans son enquête sud-ouest. Il y a du B21. Ouais. Regarde mon laser, il y a un. J'ai traité la cible lance roquette. Fenêtre de bas du bunker, il y a encore un mec. Et regarde un mec sur le toit. Si on joue à rien, la carte. Alors, reçu, prends pas trop de risques. Hydro, le mec qui s'est pris le RPG 7, il est intact. Affirmatif, il est toujours debout. Bien reçu, on progresse. Et là où il y a les BM21, oui. J'ai cru voir passer un béret dans la fenêtre du bunker. Ah, je te confirme, il y a du mouvement dans le bunker. Ouais, mais je veux dire, il y a un officiel à l'intérieur quoi. Il y a un véhicule garé apparemment. BM21. Allez, progression. Il y a une orgue russe. Allez, on avance. Qui vient de se faire sauter avec son lance-roquette là. Attention, il y a toujours un mec dans la tour à l'ouest, il est caché derrière un arbre. Attention, vous tirez, il y a des véhicules qu'on pourrait potentiellement récupérer. On aura aucun survivant. Attention, une tour de garde à l'ouest. Il y a encore potentiellement un contact dedans, donc gardez un œil dessus. RPG dessus les gars. Les tireurs sont morts, c'est bon. On en fait quoi du canon du coup? On le garde ou on le détruit? Laissez-le, on fera sauter tout plus tard. Bon, allez, on avance encore d'une dizaine de mètres en avant. Allez bleus. Légèrement par la droite, vous devrez faire la boucle. Aussi, je pense. Contact à la fenêtre du bunker, attention en face de vous, bleu. J'ai mon laser dessus. La victoire est par balle de toute façon. Автомобиль, юг, 100 метров, прием.
Attention, il y a un anti-air actif à l'ouest là. Oh putain, tout au sud, il y a un BMP. Un BMP tout au sud. Genre à 100 mètres, 150 mètres du vent. Contact plein sud. Juste face à moi, entre les deux tours. Derrière un arbre. T'as vu sur le BMP, Nad? Ouais, affirmative là. On en fait quoi? S'il est actif, va falloir exploser. Ok, bien. Encore un solo dans le bâton. Non, les... Faites bien gaffe aux tirs croisés, hein, les gars. La carte, on est engagé à l'ouest, il y a une patrouille qui vient de nous arriver dans le. Reste plus, chargez-vous-en avec rouge, on va essayer de sécuriser le campement. Ok, les gars, on va essayer de sécuriser l'intérieur du campement. T'as un arbre, je peux pas passer. La coque, t'as failli te faire buter, y'avait un mec derrière toi qui vient de se relever, fais attention. T'éloigne pas comme ça tout seul. Devant, attention, y'en a encore un, derrière l'arbre. Un deuxième. Toujours là. Y'en a un en moins, y'a toujours le deuxième derrière l'arbre. Essaye de progresser vers la position de Black Oak, vers l'entrée du camp. Garde un œil sur le mec hein, là. Je pense que Nard est à son arme là. En face, laisse-nous en face. Замечен противник. Солдат, юг 50, место, прием. Il est mort ou pas dans son bunker? Blackheart, il y a encore 3-4 contacts plein sud à l'entrée du camp. Et il est mort. Alors, reçu, avancez prudemment, hein, prenez votre temps. Attention à l'est, il y a un contact super proche de vous là, allongé. C'est des mecs là. Pourquoi pas aller pointer toujours à l'extérieur. Vague de renfort depuis l'est, attention. D'être bon à l'est. On recolle, balle. Vous pouvez recoller, allez-y, j'ai un seul. Ah, on est entier. Mais bon, je sais, t'es réacteur, merci, mais.
Moi je colle pas. Là vous avez tout, vous avez des pertes. Attention. Bunker non sécurisé. Attention derrière vous, là au nord, y'a dans le camp y'a un mec. Merde, bon. RPG sur vos sud, la carte, le bunker, enfin Zidro, le bunker qui est sur ta droite n'est pas sécurisé. On sait, rap, on sait. Nad, t'as été voir le gros bâtiment là au nord? Nad? Il est pas allé, c'est celui-là dont il parle. Ah non, il a dit bunker. Parle du bunker de Zidrou, la cage juste en face. Blackheart, Nad et aussi. Ok, reçu. Faites gaffe, vous avez pas fouillé le bâtiment au nord là. Non, j'ai traité quelqu'un à la fenêtre, mais on n'est pas encore entré dedans. Je pense que c'était pas le béret. Le bunker, tu veux pas traiter? Y'a pas beaucoup de bâtiments traités là. À part la tour sous laquelle on est. Putain, what? Putain, comment on vous rejoint, vous? Faut que tu passes à découvert. Je vais une morphine hier. Ah bah j'ai assez avec rouge en fait, hein. Allez, Nad, fais gaffe, ouais. Tiens, sécurisé le gros bâtiment là au nord après. Le gros bâtiment au nord. Lui qui est derrière nous là. Okay. Attention, il y a peut-être un officier dedans. Il y a une autre. Attention, des drouilles encore. C'est bon, j'ai traité. Ah, il y avait encore un mec dans le bunker à votre droite. Ah bah Blackheart, le gars dans le bunker, ça fait 10 fois que je dis qu'il y a un gars là et nous on peut pas le... Lui qui m'a défoncé. Renfort au sud qui arrive. Sud-sud-est. Renfort sud. Sud-sud-est. Un officier, les gars. De toute façon, on ramène ce qu'on peut. Que... Eh bien voilà, mon personnage, Vladimir Kataïev, chef de la milice depuis plusieurs missions, est décédé. Ça me rendrait extrêmement triste d'ailleurs. Eh bien, pas trop le choix, j'ai été réintégré, enfin j'ai été renvoyé sur le champ de bataille, mais ce n'est plus moi qui donne les ordres, ce n'est plus moi qui dirige, donc je suis renvoyé à bord en tant que simple tronfion. Donc je vous ai coupé toute la partie trajet en véhicule, on a récupéré pas mal de matos, on a des BM-21, un lance-missile tactique nucléaire, des camions de munitions, etc., etc. Donc on a traversé le territoire pro-russe et la DMZ de l'ONU. Nous on se rend compte quelques accrochages, on a dû notamment détruire un véhicule blindé de l'ONU ainsi qu'un hélicoptère. Et bon, là je vous laisse la conclusion de la fin de mission, donc on arrive avec nos véhicules au château du diable dans le territoire contrôlé par CDF. On espère pouvoir y faire de bonnes négociations, on va dire, avec la CDF. Vous parlez de moi? Ouais, je suis mort.
n'est-ce pas? Quelles armes? Nos armes? Déposez vos armes dans le véhicule et déposez-les à gauche dans la porte. Aucune dissidence n'est permise. Sans risque. Ce qu'on doit faire, on va le faire, hein, c'est sûr. Quoi les temps? Déposez les véhicules, les armes dans les véhicules. Ah, je sais, j'ai un discours pour les convaincre. Ouais. C'est ici qu'on a capturé l'homme sans nom. Tant nous, ouais. Rien ne touche à ce qui est arrivé. Mettre mon béret. Et nos chargeurs, on en fait quoi? Écartez-le lui. Putain, merde. Et on met les camions dans le ramasse. Hop. Y'en a un qui prend le camion là et qui veut le mettre sur le côté? Ravi de t'avoir connu, t'étais un bon compagnon de route. Pour mon discours, ça m'était pas à côté. Je peux pas emporter ton béret comme unique souvenir de toi. Tu le veux? Ouais. Tu vas avoir un seul enfant de tout le monde. Regarde ton béret, garde ta fierté. Non, non, laisse-moi un souvenir de. Laisse-moi ton odeur, Caradoc. Tu veux un seul enfant. Non, mais prépare un discours, Caradoc. Non! Les prisonniers, chef. Ouais. Non, tu prends pas d'armes. Ouais, viens. Caradoc, Caradoc. Que c'était bonjour. La guerre, que des exactions arrivent, et que celui bon. Qui fait, sans nous rien. Maintenant, je vais tous vous fouiller un par un. Que ce lieu où on se trouve, c'est là. Allez, on va arrêter. Hein ouais. Mettez-vous tous en lit. Mettez-vous en colonne face à moi. Et après vous m'attendez derrière moi. En colonne les gars, en colonne. Moi j'ai des chargeurs mais comme j'ai pas d'armes ils me serviront à rien. Non mais vous pouvez garder vos chargeurs, c'est pas grave. Vous avez posé un prisonnier à côté là, si vous voulez lui dire bonjour. Oui bah vous le prendrez après. Mettez les mains derrière la tête. Mais pas maintenant, il y a après. Non, c'est juste pour qu'il puisse vous fouiller. Dis donc qu'on a du bon matériel là, ce que je vois. Pas les choses à moitié. Tête. Oui. Oh le tatar, un derrière la tête. Oui, attendez. Oh, putain, j'ai... je ne sais non, pas mais comment putain, faire. J'ai collé à moi, je peux plus, j'ai plus d'interaction. Et c'est interaction personnelle. Ouais, voilà. Mais c'est trop la merde, attends. Mets-toi en première personne. Voilà, c'est bon. Et donc du sacré bon matos. C'est ce qui vous a permis de. Ouais, vous avez un kit de mise à feu sur vous, monsieur Alexei. KO, je vais en servir. Le feu. Enfin, c'est comme les chargeurs, j'ai pas de. Pas d'explosifs, parce qu'il n'y a pas de faire exploser grand chose. Après, si vous voulez des cadeaux, hein. Je vais même le prendre avec moi, hein, sait-on jamais. Vous en priez, servez-vous.
Un PDU-4. Eh ben dis donc, ouais, ils se font pas chier. Vous faites guerre, hein. Tu es des Russes. Ah, un outil de tranchée là, 4 outils de tranchée là. T'as une pelle, c'est ça? Oh, ça ira. 4 outils. On... Vous pouvez avancer. Quelqu'un prend le prisonnier. Moi, j'ai pris une colonne. Une seule colonne. J'en la marche avec le prisonnier du coup. J'ai l'impression d'être dans Napoléonique. Oh, cacon! C'est quoi de revenir dans le pays? Revenir dans le pays? Vous avez choisi cet endroit là. Cet endroit, sur. Cool. Là, vous verrez, vous allez parler au grand chef. Au grand Manitou. Il y a du monde à côté. Soldat, Yugazaba, PDC. Eh, Blacko, faudra vraiment que t'arrêtes de prendre des voix. Hein. Emmerdeur, Blacko. Chiant. J'ai cru que c'est une voiture qui me poussait dessus. Vous n'êtes pas impressionné par le dispositif de sécurité, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi vous avez un gros dispositif alors qu'on passe dessus? C'est un dispositif de sécurité, ça. Внечен противник. Солдат, юг, 50 метров. Прием. Ça va coûter trop lourd. Vous avez un si grand dispositif alors qu'on est pacifique. Et qu'on vous a aidé en plus. De oh, comment que ça pue. Ah, évident. Vous savez, elles sont pas très évidentes pour moi. Ici, mais beaucoup plus de monde. C'est vrai. Et quand on est reparti, on avait beaucoup moins. Quand elle a été démontrée récemment. Faire table rase du passé. Ah bon. C'est bon, vous avez fait table rase du passé, vous comptez le faire maintenant? Parfait, on peut y aller. Allez, salut. J'espère que c'est pas maintenant, en tout cas. Putain. Oh, putain, les gars, les colonnes, j'ai un souci. C'est quoi ce véhicule, là? Eh, hey, mettez-vous en ligne contre le mur du château. Pourquoi il y a un véhicule russe, là? Pourquoi il y a, un Mi 8? Ah, il y a un. What? Il y a une 12-7 quelque part là ou quoi? Cadeau. C'est prisonnier ici, merci. Au panneau de fortune, ravi d'avoir été avec vous jusqu'à la fin. On va se faire exécuter tellement sale. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Mais on va se faire exécuter, tu le sais très bien, Blackheart. Non, bah non, justement. À droite et à moitié à gauche. Je suis au mieux. À l'aide. Le naissance c'est la moitié, ils viennent pas de là. Ouais. Là, qu'on prend des grenades ou pas? On s'est fait fouiller, grand. Oui. Non, mais on sait jamais. Peut-être que vous avez bien caché. Pardon, caché quoi? Quoi, mais. Non, mais pansement, mais pansement. Alors, messieurs, on est là pour s'instituer prisonnier. Oui, effectivement, moi quand même. En effet. Ce qui a été compris. Vous repentir de vos péchés? Quel péché? Lui d'avoir libéré Tchernarus. Pardon? Est-ce que. Quand je me présente, je m'appelle Alexei Djoukov, je suis chef des armées de Tchernarus. Réconciliation, il doit y avoir. Suite à des conseils. Jusque poussé du ministre des Affaires étrangères. Vous serez sous mon commandement. Si jamais vous aviez la chance de pouvoir réintégrer les armées, du moins pour une partie d'entre vous. C'est bien. Le ministre va venir dire quelques mots. Il a d'espace. J'espère que vous C'est un chef d'armée avec la tourette. Il est stressé. J'espère que vous avez une plus grosse noir, le ministre. Votre... Ouais, c'est quoi ce cube là qui arrive? Il est noir, le ministre. Ah, c'est un ministre tatar. Ah, putain. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Oui. Moi, non. Non plus. Moi, c'est parce que j'étais pas là à la mission. Mais pas de moi. Et j'étais pas là à la mission. J'ai entendu parler de la mission en question, mais je n'étais pas là présent ce jour-là. Je suppose que vous aurez remarqué que je boite un peu. Ouais. Hein? Très bonne convalescence. Ça vous saute pas aux yeux? Vous avez l'air en forme. Ah bon? J'ai l'air en forme.
Je suis obligé de prendre des antidouleurs tous les jours, mais sinon tout va un bien. Un peu pâle, c'est vrai. Vous savez, nous on est en fugitif depuis pas mal de temps. Hein. Aussi, voilà, les petits soucis. Hein. Bon, vous vous douterez que dans un souci de protocole, nous allons devoir vous menotter. J'espère que vous y verrez pas d'inconvénient. Et si on en voit un bon, ben... Je vois pas ce qui nous est reproché. Pourquoi nous menoter alors qu'on est là pacifiquement devant vous et qu'on n'a fait aucun geste hostile? Et dans un souci de protocole. Les protocoles, c'est fait pour les éviter de temps en temps. Entre bons amis. Je demanderai à tous de bien vouloir collaborer pacifiquement et je vous promets, pour mon honneur, vous resterez tous en vie. D'accord. Tous. Mais pourtant, le général a dit qu'il y aurait qu'une partie d'entre nous qui aurait peut-être la chance de réintégrer l'armée. Oui, c'est le groupe. Il y a une passe différence. Au mur. Passe au mur. Passe au mur. Putain, mon gars. Je vais faire un truc, un petit dernier truc avant, quand même. Je remets mon casque. C'est ça qui va te sauver. Hein. Je sais pas si tu aurais une balle dans la tête de chaque. Alexei. C'est une chorégraphie sympa. Oui. If you wanna be my lover. Oh, merde, on peut avant plus bouger de quand on est mettre fin à cette journée et de vous permettre d'aller vous reposer calmement dans vos cellules pour les prochains jours. Je souhaiterais parler du cas de Vassili Voronov. Aurait-il quelque chose à dire pour sa défense concernant des événements qui se seraient déroulés il y a de cela un petit moment déjà? C'est qui Vassili Voronov? Radog, gros con. Pas de quoi vous parler, c'est une affaire ultra confidentielle. Une affaire ultra confidentielle, vous en êtes sûr? Tout à fait. Avec le ministre que vous êtes présent, habilité, le ministre bon, sachez présent que tout ce qui a été fait que pour étiez la liberté du Tchernarus. Que vous étiez responsable de ses douleurs et de ses souffrances. Alors, qui est responsable des nôtres? Vous chose... avez pensé à ça? Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour votre défense qui soit cohérent? Tchernarus est bien hypocrite avec tous les mecs qu'on a perdus, même aujourd'hui encore. Vous êtes sûr? Comme des chiens, on nous menotte face au mur, et après on va nous coller des balles. Mais dans faut, la que tu faut que tu te défendes. Ça, c'est vous un petit peu quelque part le protocole. Hein. Quand t'as besoin d'une guerre, t'arrives pas comme ça. Écoutez, les choses malencontreuses ont dû être faites pour. Essayer de garantir au Tchernarus l'indépendance et s'il aura fallu tirer une balle dans la jambe de quelqu'un, et bah tant pis. Alors que tu étais prêt à risquer ta vie pour sauver cette personne, ne l'oublie pas, Carabin. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que des erreurs sont commises pendant la guerre et malheureusement c'était le résultat d'une de ces erreurs. Il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait, ce brave homme pour le Tchernarus. Et que sans son intervention, sans son intervention, la mission pour sauver le. Le ministre n'aurait sans doute pas été couronné de succès comme elle l'a été. N'oublions pas les centaines de Russes qu'il a tués en cet endroit même. Gouvernement provisoire, vous voulez dire. A réussi à le tirer d'une zone de guerre quand même, vivant. Il n'était pas garanti. Zone de guerre? Vous rigolez ou quoi? Il était tranquillement en train de couler des beaux jours dans un paradis fiscal. Exactement corrompu. Nous lui avons donné l'occasion. Votre défense est ridicule, messieurs, je tiens à le dire. J'avoue, t'es nul, car j'ai déjà vu des gens nuls, mais là. Désolé pour toi, mais. Vas-y, mets-toi à genoux et prends-toi ta balle. T'as peut-être mieux. Souvenez-vous de tous les Russes qu'il a tués en ce lieu même pour la défense du Tchernarus. Il est désolé, il est attristé, il en perd les mots, il sait plus quoi dire pour se défendre, le pauvre. Il a perdu son camion. Et sachez qu'il serait prêt à tout faire pour se racheter. En plus, j'ai perdu mon camion. Est-ce que vous serez prêt pour votre liberté, votre réintégration dans les forces armées du Tchernarus en tant que force spéciale notamment, et dans la préparation future d'une grande offensive sur les troupes pro-russes, à sacrifier la vie de votre camarade?
Ah, moi je vais dire oui, je le connais pas. Pourquoi? On a besoin d'être complet avant. Pour être efficace. Oui. Pourquoi le tuer? Pourquoi pas? Ah, mais c'est lui de base. Et pas conduire un camion. Un rancœur personnel. C'est l'autre conducteur de camion. C'est l'exemple, et de toute façon, l'exemple. Le ministre a une certaine rancune envers cette personne. Est-ce qu'on peut en parler avec la personne concernée? Ah, donc c'est pas tellement une question de... c'est pas vraiment une question de justice, c'est plutôt monsieur le ministre qui vous fait question de vengeance. Pour le problème à sa manière, mais est-ce que c'est vraiment la bonne manière? Surtout lorsque cette personne décidé, moi je suis une est-ce que soldat. Le pays passe avant les petites rancunes personnelles? Monsieur le ministre, il en pense quoi lui? Moi j'en connais des gens Il en veut beaucoup. Il en veut énormément à Vassili. Il en veut pourquoi? Il lui en veut de lui avoir tiré une balle dans la jambe et qui fait que je suis handicapé à vie maintenant et que je suis obligé de prendre des médicaments. Ouais, vous avez pas de canne non plus. Ouais. Soyez bien rassuré, Vassili a pris. C'est une erreur de sa part, je suis d'accord. Mais. Vous avez, mis à part l'escapade qu'on a faite ensemble, monsieur, vous avez déjà fait la guerre? Vous avez déjà vu des vrais combats? Non, je n'ai pas eu cette malchance. Alors, regardez son corps nu bardé des cicatrices de ces faits de guerre. Vassili a commis une erreur et vous a malencontreusement blessé. Malencontreusement, il m'a volontairement tiré dessus alors que je tâchais de me mettre à couvert des combats. C'était une erreur. Et il a été. Non, je me mettais à couvert des combats. Il a été réprimé. Pour cette erreur, vous inquiétez pas. Tu mens, tout à fait. Mais pour avoir maintenant fait quand même pas mal de combats, croyez-moi, vous vous en tirez vachement bien. Vous avez des douleurs régulières, ça se comprend. On a des camarades qui, eux, ne ressentent plus rien parce qu'ils sont morts. Morts pour le Tchernarus. Des gens comme Vassili qui se sont engagés et soulevés contre l'Union soviétique pour les chasser de notre pays. Alors, on a peut-être pas fait la meilleure solution, on a peut-être pas. Tous fait de la manière qui vous convenait le mieux. Que ça reste à prouver. Qu'est-ce qui reste avec un comportement pareil, vous croyez que vous allez nous attirer la fidélité de nos troupes? Vassili n'a qu'une envie, comme nous tous, c'est de reprendre, de continuer cette lutte contre le pro-russe communiste et compagnie, et de se battre pour le Tchernarus. Alors effectivement, vous avez le pouvoir et la possibilité maintenant, vous pouvez l'exécuter juste par vengeance. Vous pouvez lui ôter la vie juste parce que lui vous a blessé à la jambe. Pensez bien en faisant ça que vous priverez le Tchernarus d'un de ses meilleurs soldats. Attaché, je te fais un bisou. Un de ses meilleurs soldats, ça je sais pas. Bon bah nous on le sait. En tant que compagnon d'armes, je peux vous garantir que c'est un de nos meilleurs. J'ai entendu parler d'un certain Imanov Baski et notamment d'un certain Vladimir Katayev. Vladimir Katayev d'ailleurs, pourquoi n'est-il pas présent avec nous aujourd'hui? Vladimir Katayev, tu te rappelles qui c'est s'il te plaît? Vladimir Katayev est mort au combat aujourd'hui. Il a été tué aujourd'hui pour le Tchernarus. Pour récupérer vos engins. Moi aussi, on m'oublie. Toi, t'existes pas. Alors, vous. Qu'est-ce que vous lui vouliez à. Pas Imanov, à l'autre, j'oublie son nom. Vladimir Katayev. Vladimir Katayev, merci. Bah rien, je voulais le féliciter de ses grandes actions eh bien, à l'encontre des pro-russes. Il a donné sa vie aujourd'hui pour que cette réunification ait lieu. Je le remercie, comme je vous remercie également au passage. Mais voilà, il a été tout aujourd'hui dans les combats en prenant une forteresse pro-russe afin de vous ramener deux BM-21, deux camions remplis de munitions, un ZU-23 ainsi qu'un lance-missile nucléaire. Et un prisonnier. Ça reste à déterminer la qualité du matériel. Je vous laisse en juger. On verra ce qu'on pourra tirer du prisonnier. Bon, moi je propose quelque chose. Je vous écoute. Alors, je peux comprendre l'importance de ce cher Vassili Voronov, mais ceci étant dit, je garderai toujours une rancune à son rencontre et je pense qu'il serait tout à fait légitime de ma part de lui faire subir ce qu'il m'a fait subir. Est-ce que quelqu'un y voit une objection? Est-ce que vous comptez lancer un assaut dans les prochaines semaines à voir. Oh,
Ouais, parce ouais, que si on a un de nos meilleurs éléments. Si on a un de nos meilleurs éléments qui est handicapé, ça risque d'être un peu carré. Par mettre à vite. Particulièrement gênant. Je suis sûr qu'il a une constitution très forte et qu'il sera à même de se remettre de cette blessure facilement. Allez, faites-le. Je vous garantissez que vous le soigneriez après et que vous restez en vie. Allez, faites-le, c'est bon. Vers les dents, Cardoc. Merde, je peux pas mettre mon béret. T'as déjà connu bien pire, Cardoc. C'est pas une balle dans la jambe qui va te faire mal. Bah non. Peut-être un peu, mais Ne pleure pas. Je me souviens des balles dans la tête que je me suis pris. Alors que t'as ton casque pour te protéger. Attendez. Il risque de glisser sur la jugulaire. Non, ouais, le ministre répugne les armes. C'est celui qui donne la condamnation qu'il applique. Bon, monsieur le ministre répugne les armes, c'est tout. D'accord. Sois brave, Cardoc. Non. En tout cas, sois brave. Ah, saucisson. C'est bon, c'est bon. Saucisson. Il lui a dit. Regarde, le ministre est dégoûté, laissez-le. Le ministre est dégoûté. Ah, je suis Ah, ça va. Pleure. N'évanouis pas. Je suis à deux doigts de tomber. Ça va. Est-ce que je peux aller le soigner? Ah, je vais m'évanouir. Vous avez pris combien, Caradoc? Je sais pas, j'ai dû en prendre 4. Le gars, il va pas boiter. Tu vas lui couper la jambe. Je mes doigts de pied. Bon. Je crois qu'il a touché une artère, ça saigne. L'infirmier viendra s'occuper de son cas. En attendant, vous allez passer quelques jours en cellule, vous allez être débriefé et on va s'occuper un petit peu de votre cas et de votre groupe.